Okay, sis, everybody. We entering the Biodome now. So we go to Laurentides. Wow. Wow. So we'll check which animal we will find it. What's that, Mimi? There's animal or no? Yeah, but it's called the kangaroo. Yeah. It's like that because there's a... Which animal here, maybe? Eventually we will see. Hey! Oh! Bonjour! Oh, Mimi. Oh, yes, yes, yes. So many people like that. Yeah. It's the habitat of... What's the name of otter? Yeah? Huh? Oh yeah, here bebek. What is that? Huh? Bebek. That's the duck. Yeah. Okay, sis, everybody, we will go to the another place because it's very crowded here in Biodome. And to the ticket enter to go here in Biodome, from biasa satu tuh ini, punya tiket? $20. Hah? $22 for one person to go to Biodome.
that, man? What's that? What's that? Maple. What's that, man? Look, in the the porcupine. Huh? Porcupine. Porcupine? Oh, caster. He said caster, maybe. Huh? Caster? What's this thing? What's that? Where, maybe? There is a fish around. Oh, it's like a turtle, eh? It's turtle. There is no indication, they say what is it. Yeah, but there is no the note yet. Or the beaver, we can see it. Oh, yeah. The beaver, yeah. Yeah. There is next to the other one. Yeah. Oh yeah, what's that, Mimi? But c'est petit. Oh yeah. The links. Oh yeah. Sleeping, Mimi? Yeah. Sleeping. You bring whiskers? No. Oh yeah, it's sleeping. Links. Links, yeah. With me. Yeah. If you can come back later, it will be Oh, yeah. Yeah. We come back later. Sleeping, yeah. Maybe when we come back, Link's already... Already... Huh? Yeah, there is electricity, yeah? Like a truck. Yeah, like that. You understand that, huh? Maybe a bit more luck. Should put your mask on. So we already see the links, but the links it's sleeping now. Oh yeah, for your information. This is the first time I go to the zoo. This is the first time I go to the zoo in Montreal. What's that, Mimi? Let's go.
think so. Yeah, I think there is a fish. Ramu fishy, hello? Wow! It's very big here. It's very big here. Wow. There is kind of fish that in front of my guys. Wow. Oh my god. It's a trego. It's very big. Wow. Avec tous ces animaux, oui, je voulais vous dire qu'il y avait des petites pattes à la surface de l'eau. Ce sont des oiseaux marins comme lui qui plongent pour trouver leur nourriture. Celui-là, c'est un nageur à divers. Contrairement aux canards, je ne sais pas que vous connaissez peut-être, ce sont des canards marins qui plongent pour trouver leur nourriture. Avec tous ces animaux qui sont nourris et qui produisent des excréments à tous les jours, nous devons nous assurer que l'eau dans laquelle ils nagent soit propre. Cet entretien est assuré par mon système de filtration ainsi que par nos plongeurs trois fois par semaine. Ici, au Biodome, les animaux évoluent dans un environnement sans pollution, mais dans le golfe du Saint-Laurent, la réalité est bien différente. Les espèces marines subissent l'impact de la présence humaine, comme la pollution par le plastique. Les scientifiques sont unanimes. Le plastique dans les océans est un fléau et on estime que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans la mer. Des tonnes de débris plastiques sont déversés dans les océans chaque année et les petits fragments de ce plastique entrent dans la chaîne alimentaire. Heureusement, plusieurs gestes peuvent être faits pour réduire notre consommation de plastique. Par exemple, utiliser des sacs ou des bouteilles d'eau réutilisables, s'approvisionner dans des bouteilles en vrac ou refuser les articles faits de plastique à usage unique. On peut aussi laver nos vêtements moins souvent car les fibres synthétiques sont relâchées dans l'eau de lessive et aboutissent dans les cours d'eau. Encore mieux, participer à un nettoyage des verges contribue grandement à protéger nos animaux marins. Je sais qu'il y en a qui veulent absolument voir le requin, mais je ne l'ai pas vu pendant que je parlais. Il arrive par là quand il arrive. Il est petit, il fait 1 mètre de long. Et puis c'est une des 8 espèces qui visitent le golfe du Saint-Laurent. On l'appelle l'aiguille à commun. Donc c'est ce qui termine ma présentation. Je vous remercie de votre attention. Sur ce, passez une bonne journée au violon. Merci. C'est la lose. Ici, on voit des guillemots à miroir, les oiseaux blancs et noirs. C'est quoi ça? Pour trouver leur nourriture. C'est bon.